Congo na ba université na ba institut supérieur voilà les alipes de devoir pour na biso na magazine tolobela Congo de faire la ronde na kata ba université na ba institut supérieur pour permettre à la population de connaître de savoir s'il y a les avancées par rapport à ma nomination il y a ma nouveau déchet dans ma nouveau recteur au ma nomagi dans ma différentes universités mais dans ma institut supérieur. On a commencé ici à l'ISC Gombe, à Wana Kinshasa, capitale il y a République démocratique du Congo et si Kao Toye pour na tous ma information, c'est à dire on va vous montrer différence entre l'ancien comité de gestion et les nouveaux. Madame Koti, nini va sali, nini va salité. Est-ce qu'il y a les avancées? Est-ce que va yere otoye baka? Et sali kaka. Est-ce qu'il y a quand même le changement? Ah ou anakati a yesi. Je vous demande, très chers téléspectateurs, dans l'Institut supérieur Niazodou, moi emboîter les pas. Nous sommes là, magazine Tolobela Congo dans les miroirs. Il y a population. Toya ou apotoye ba makambo. Nenge sali kotambola. Merci. Voilà Daviso. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes là déjà. Awanakati ya ISP ya ISC Gombe. Très chers téléspectateurs, l'émission sera en bilingue hein, pour permettre Batunios de Tubalanda. Un peu de français, un peu de lingala. Donc dans la rara vraiment français français. Bon, il faut batobaye bamakamodali kotambola. Nengenini awanakati ba université, katia ba institut supérieur. Voilà. Tozalina maman, maman toyambio, boye malamwa. Merci beaucoup, papa. Voilà, on commence d'abord par la présentation. Est-ce qu'on peut savoir vous êtes qui? Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je suis madame Louise Ngwindani. Je suis la secrétaire du DG Émile Ngoï, directeur général de l'ISC Gombe. Très bien, ma maman. Ok. À ma gauche, je suis avec mon frère, maître Cédric. Bonjour, maître, voilà, très content. Ouais. Moi également, c'est un plaisir de partager. Oui. Tous Ali à Wanakati à Institut Supérieur de Commerce, ISC en sigle. Tous Ali au Sala Étude Comparative, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, gestion à l'université sous leadership NAE, et puis à l'université à Kala. Comment est-ce que le chef de l'État a essayé un peu à couper sa délo à l'université Valère? Parce que au moment qui bah université na institut supérieur na biso et perda qui bah identité na yango parce que bah université na biso mingi et bungi identité na yango donc et comment qui au quota la université qui classé na Afrique centrale na Afrique mobimba bah comment est l'institut supérieur na soit configuré maintenant que tozongi na bah années 60 bah années 65 vous verrez que bah toi ko utana bah pays voisin boya kotanga ana Kinshasa. Voilà. Mais lelo to bungisi biloko nyonso na bongo na bokamami ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alingi asa université comme levier à développement parce que vous savez le chef de l'État azali moko le grand chancelier des universités. Donc le chef de l'État, je donne le cas d'ici. Lelo to zali bongo kokumisa ko beta maboko na bokamami ya gestion ya ISC. On va arriver hein, parce que tout ça na ligne maman et à Salara on a Kati, je crois que elle est mieux placée après dans royer pas na yo pour ton compte vraiment tout cela makambongo. Merci beaucoup ma maman. Voilà, je crois que la première question d'abord toi katoyeba hein, je ne sais pas, il faut être bilingue, parler un peu en français puis à lingala pour permettre que la meilleure audition na ba téléspectateurs ni surtout dans Rolanda. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait depuis arrivé, il y a comité de gestion, il y a Oyo et il y a Awa na ISC Gombe. Ni salement ni avant, il y a eu des revendications. Pine Tumbamao, Bisoka la télévision Toyawa pour revendiquer le départ, il y a ancien comité de gestion. Les loyo, il y a déjà 9 mois depuis arrivé à comité de gestion à Sika, où il est dirigé par le DG Émile Ngoï, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Voilà, est-ce qu'il y a les changements? Merci beaucoup, papa journaliste, pour la question. Comme le but c'est la bilingue, tu es un peu bilingue parce que tu es un milieu universitaire, tu es bien que la langue où ils allaient autoriser, ils allaient le français. Pour les appeler langue, ils sont à Moussala. Mais le col lobby pour la baye, ils sont à Kolanda, ils sont à Ndekonyo, ils sont à Congo. Ils ont la langue nationale, ils sont à Péangote, ils sont à Moussala, ils ont deux langues pour permettre à tout le monde d'aller à Ndabiso na Bokebi. Très bien. Alors, question, ils ont vraiment question, moi, comme à très bonne question pertinente pour la. Nini depuis que le comité de gestion Oezali Kokamba Bongo Nandeko Émile Ngoï, professeur ordinaire, Nini Salami depuis que le comité de gestion Oezali Kokamba Bongo Nandeko Émile Ngoï, professeur ordinaire,
son encore bien au lycée. C'est où j'ai pas appelé ça slogan comme ça, puisque le président de la République, quand il est arrivé, il a essayé un peu de parler l'état de droit. Oui. Quand on parle de l'état de droit n'est pas seulement un slogan simplement comme ça, mais il faudrait comprendre, pour parler de l'état de droit, il faut d'abord qu'il y ait des administrations, une administration forte. Puisque je vis parmi les piliers, quand je passais aujourd'hui, c'était une conférence, on parlait des 5 piliers par rapport au développement du pays, je suis économiste. Et alors je vis premièrement, ils ont parlé de l'administration et deuxièmement l'éducation. Pour qu'il y ait un plan de développement intégré dans un pays, dans une institution, il va falloir qu'il y ait des piliers. Comme je vis, on a bien parlé des 5 piliers. Les 5 piliers, ça doit passer d'abord automatiquement, je parle en tant qu'enseignante, c'est d'abord l'éducation. Et donc, quand vous venez ici, on a une vision. Une vision qui est conduite par le DG Emile Ngoï, c'est de faire de l'IEC une grande école de commerce. Une grande école de commerce, et ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être comme un slogan. Ça doit être la méritocratie dans tout le plan. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir du personnel, vous devez leur payer comme il se doit. C'est comme je rentre, comme j'ai parlé de l'état de droit. L'état de droit n'est pas seulement le chef de l'État lancé l'état de droit, ça doit être comme ça, oui, c'est parti. Non. Qui dit état de droit, on voit une administration forte. Une administration forte dit quoi? On paye bien les ressources humaines. Parce qu'on dit Libumunzala et Zakalamatoïté. Quand on paye bien les agents, les gens vont travailler et on va avoir de fruits. Comme on dit, Confucius, il dit le feu brille plus haut lorsqu'il y a tout le monde apporte son morceau de bois. Pour que les gens apportent leur morceau de bois, ils doivent d'abord bien manger. Et vous avez quand même aussi suivi dans le média qui est sous le comité de gestion de Mingoy, il y a eu hausse de l'air prime de 40%. Et là, c'est déjà quelque chose de très positif parce que ça encourage les gens dans tout le domaine de travailler pour permettre à ce qu'il y ait une bonne évolution. Parce que faire de l'IES une haute école de commerce, comme on veut changer le nom, ça sera quelque chose pour qu'il y ait une école doctorale ici. On veut aussi avoir des chercheurs qui vont aller jusqu'à la thèse pour former la relève congolaise de nos jeunes. Et puisque on peut bien dire l'IEC, quand on parle de l'IEC, tout le monde voyait avant que l'IEC c'était le mal. Mais aujourd'hui, moi je peux vous dire, je suis ici pendant 9 mois, je vais dire. Essayez un peu d'être clair hein, pour que les téléspectateurs puissent un peu comprendre. Avant c'était comment et après pendant. Parce que vous êtes là dans les comités de gestion. C'est comment? Comme je vous ai dit, on sent l'évolution de l'économie sur le panier ménagère. Déjà sur l'air gouvernance, on a vu déjà l'accroissement de la prime focale à 40% de hauteur. Je suis économiste et ça n'a jamais été fait, même au pays ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux dire que c'est comme si c'était une explosion volcanique qui s'est faite. Puisque là, vous imaginez même pas, et comme ça, on vient vous donner 40% d'accroissement de votre prime. C'est déjà l'avancée positive. Positive. Voilà. Ok, ma maman, merci beaucoup. Je crois que nous avançons calmement. Voilà, tranquillisez-vous, nous sommes là pour vous, ma maman. Voilà. Bon, maintenant, il y a encore un petit souci. La collaboration entre les DG et les professeurs. Parce qu'auparavant, il y a eu aussi un problème là, manque de collaboration, franche collaboration entre les comités de gestion et les professeurs. Comment ça se passe sous les professeurs Emile Ngoï Kassou? Je pense que je ne saurais pas vous dire qu'avant il y a eu des problèmes avec le comité sortant et le professeur, puisque je n'étais pas dans cette gestion-là. Oui. Moi, je suis dans la gestion. Moi, je vous pose question par rapport à l'instant. Oui, hein, je ne peux pas faire la comparaison parce que la comparaison n'est pas raison. Oui. Donc, moi, je parle de la gouvernance, de la gestion. Comme je vous ai dit, parmi les 5 piliers que le pays a mis quand je venais, j'ai vu ça par hasard. Comme ça, j'ai vu les 5 piliers. On a commencé par l'administration. Et donc, pour moi, je dirais qu'avoir l'administration, je parle du management. Parce que le management, parfois, c'est un mot anglais où les gens n'arrivent pas très bien à définir ou à interpréter en français. D'autres disent que c'est la gestion, d'autres disent que c'est l'administration. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre les professeurs? Quand je vous parle, le management, il y a une très bonne collaboration pour preuve que vous avez vu. Je vous parle toujours que s'il y avait des problèmes, vous allez voir qu'il allait y avoir de pneus ici. Vous n'avez jamais vu ça. Pour preuve que quand on a, il y a une bonne collaboration, déjà, comme je vous dis, le ventre affamé n'a point d'oreille. Une personne qui a souci de ses collaborateurs, déjà, quand il augmente déjà la prime, c'est quelque chose de bon. Merci. Vous pouvez bien mettre ça dans sa poche, mais il a pensé à ceux qui sont ses collaborateurs pour qu'ils soient mieux payés, qu'ils travaillent bien. Parce que la réussite des hautes écoles de commerce, grandes écoles de commerce, ce n'est pas l'effort d'une personne. Pour être un bon entrepreneur, un bon management, vous devez savoir que l'effort se conjugue.
ensemble, vous allez avoir de bons résultats. Il a compris cela en tant que management, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que professeur. Il a compris tous ces aspects-là. Il a voulu quand même augmenter la prime focus parce que quand on motive le personnel, on travaille bien. Il veut donner à l'ISC son image de la petite sœur de l'Unikin. Et aussi, on a vu que l'Unikin a déjà été classé dans le classement des rankings. Donc, dans 62e, parmi dans le millième des universités africaines, ce qui n'a jamais été existé. Alors, ce que aussi l'ISC est en train de faire, c'est la petite sœur de l'Unikin. Elle est derrière l'Unikin pour suivre les traces que l'Unikin a fait. On va suivre des exemples pour donner l'image rayonnant encore l'ISC comme c'était avant. Très bien. Je suis très, très, très content. Malgré, il y a un moment, on a parlé aussi qu'il y a frais académiques, bon, je ne sais pas c'était lié à quoi, ce sont les informations. Oui, comme la guibisson. Ah bah oui, hausse des prix académiques, na kolobango na linga la pauvre tout ce bayo, parce que zaki ko sale un peu bah brimming na kati na Congo, puisque bah le biais si kola la kati moi parce que tanga résulté. Oui, bi bien que bon canyon se tambo la malami beko. Et puis les instructions, ils allaient qui na 0,22 y a ministre na biso atité la pesa qui ben instruction que minerve le cause en dessous des montants la pesa qui était. Ceux qui vous foutent à compte, vous devez vous attendre à un solde. Un solde quand il y a, comme on dit, à la continuité de l'État. Déjà, il y avait un montant fixé pour la compte de Minerva qui était fixé par le comité sortant. Et les DG qui est venu avec son équipe, ils pouvaient suivre les traces. Et ils ne pouvaient pas aussi dire, voilà, comme ils avaient fixé, nous on supprime ce communiqué-là, on met la compte pour ce qui nous concerne. Non, c'est la continuité de l'État. C'est juste le courant qui va gagner. Il vient, il a juste continué avec les traces de son prédécesseur. Et puis pour solder, on suit les normes, ce qui a été écrit au 022. On demande aux étudiants de solder le montant, il n'y a pas eu hausse de prix. Si vous regardez, vous comparez partout en RDC, c'est lié, c'est qui est le prix bas. Merci, maman. Merci, nous vous laissons. Entre-temps, nous continuons notre magazine. Merci beaucoup, maman. Ok, voilà, très chers téléspectateurs. Donc, maman, pour nous recevoir quand même, par rapport à quelques questions de curiosité, il fallait avoir la précision. Maman, pas à la qui a appelé ce précision. Maintenant, nous sommes avec notre frère, Maître Cédric. Voilà, Maître Cédric Benguele. Bon, maintenant, bon, vous savez, Bissot Ozali, bah, sentinelle, il y a pouvoir, il y a chef de l'État. Lélo, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Azali, bongo na ba ordre ya ba chancelier, Azali chancelier à Liboso, wa yambo, pour na ba enseignement, si pe. Et puis, na tous les niveaux. Raison pour laquelle, pouvoir na ezali plus fondé na gratuité de l'enseignement de base. A quel niveau à l'université, il faut quand même ba étudier na Bissot, ba les Kinesso Azali, qu'au 626 de commerce, ba koma au même titre que étudiant étranger. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut des enseignements de qualité et non des enseignements de quantité. Pourquoi on a des enseignements de qualité? Ça fait beaucoup de temps que l'université a un peu de temps. Au moins, il y a l'ISC A, il y a l'ISC Moura. Lélo, il y a l'ISC Ezong et l'identité. Comme une grande école, il y a l'Afrique centrale, il y a l'échec à Bruxelles, il y a grande école à Paris, il y a l'ISC Ezong et la dimension. Lélo, il y a l'économie émergente, selon la vocation de notre économie. Maintenant, l'économie émergente, ça demande aussi. Bah, système éducatif moi ça adapté nengo raison pour laquelle tout moni bongo na leadership ya mon mboka le professeur Émile Ngoyi a une bongo na école doctorale ya 3E donc c'est-à-dire entrepreneuriat économie et puis émergente donc nous sommes un pays où nous cherchons l'émergence. L'émergence sera ce qui te s'imprégner te ce qui te salve forte à quoi améliorer qualité d'enseignement la sorte que vers le vrai développement parce que vous avez suivi madame Matang va pilier de développement quand est-ce qu'un pays essaie d'écouler c'est-à-dire il y a des antennes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même la production, il y a crème intellectuelle, il y a qualité et non il y a quantité. Raison pour laquelle, vu que comme bah, défenseur, il y a pouvoir, il y a président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tous allés comme ça la tour de ronde de l'université. Total, là, comment est-ce que les enseignements sous les régimes précédents et puis sous le président Kabila, sous le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis les autres comprendre là, qu'il y a des réalisations, il y a des bonnes réalisations, il y a des avancées. Merci, maître Tikato Kene, calmement. Je vous dis que sous Kabila, et même pendant le comité de gestion ou dans son temps, tout le monde va comme rebeller. Les professeurs n'ont pas le temps de dispenser les cours. Tout le monde a banni les étudiants, mais tout le monde a autant de sabangoué comme un caca assistant. Maintenant, sous ce comité, il y a le professeur Émile Ngoyi Kasongo. Est-ce que tout le monde a le même problème? Parce que quand vous voulez parler de la qualité de l'enseignement, maintenant, la paix, est-ce que le professeur Leloyo a le temps de dispenser cours, il y a le temps de étudier cours, tout le monde a le temps d'assister, tout le monde a le temps pendant le régime de Kabila, il y a le temps de
tuna non paye ngote da fleo résultat na ngona ba conséquence na place misala odomo na moto place ko chalé adako chala place ko chal nini bada même na problème bele bele ba difficulté. Merci mon amoka Yves, je crois que biso tozali ba sentinelle. Ino boda ba sentinelle boda ba eh il faut bolane la makambo wana nyoso. Miso ya président Félix Antoine Tshilombo. Oui, awa pona kotala comment mandat chef d'état ba tozali ko accompagner na à tous les niveaux parce que tozali na et kabwani verticalement et puis horizontalement. Le chef de l'État est au sommet na cité mususu pe ezali na bakambi. Tozali bongo eloko o soulever awa, c'est vraiment une problématique de taille. C'est-à-dire tozali ko sala bongo effort biso to enquêter à notre niveau. To moni ete nelo quand même moi différence ezali raison pour laquelle bâti école doctorale. École doctorale o ezali bongo pona renforcement des capacités et puis à quoi permettre les jeunes. Nana tout dit makambo ya ba professeur, est-ce que les loyo to saka kana système au kabila tikaka biso ya ba assistant badali ko remplacer ba professeur oh ba conséquence nango to mona ba étudiant na place misala nanga to komela bon yango na biso mona mboka Yves et lo kwa liboso le pays si souffre na nombre de professeurs, nombre des enseignants. OK, je crois que na moni au convaincre nga na réponse na hôte. Tikato sana open deco adawa mon amoka to tondio botondi mbote na yonde ko Yves Martin Balela voilà yo bibi soto sali ba sentinelle ya pouvoir ya chef de l'état et puis parce que mboka o chef de l'état azoka mboka na biso Congo ezali héritage na biso Congo ezali bien na biso yango to ko surveiller sika nyonso makambo ezo sala ma photo kende to lobela mabe ezali photo lobelaka to ko aider Félix kaka soki to so dénoncer mabe to so dénoncer pe ba o ya bien zo sala mande ko nanga merci mon amboka ko dénoncer mabe yango to lobai na bino ke musala o to ya wa to ko sala ronde ya ba université ya ba institut supérieur pour que to la kisana ba les spectateurs baimbo kabayeba comment nenga nini gestion makambo dali ko tamula nenga nini na kati ya ma institut supérieur parce que parents o lelo e komika to tinda bana na Chypre ce qui chiffre to zongi sa pe confiance na école na biso république démocratique du Congo to yeba ke désormais il y a un enseignement de qualité mais aujourd'hui nous avons un problème très 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 sérieux les problèmes lesquels lelo et les professeurs n'ont pas le temps ya ko tangisa ba étudiants. Conséquence, milieu professionnel, ça pose tout un problème. Et surtout, dans les étudiants, on va relancer comme candidat dans le marché d'emploi. Les loyaux, tant que tout le monde est là, il y a un enseignement de qualité. Est-ce qu'on a résolu ce problème ici à l'IEC? Ouais, ndeko Ivo yebi, on ne peut pas attaquer le fait sans connaître la cause, vous voyez. Kolobela makambu ya ba assistant ou le professeur, c'est ça pose pas vraiment un problème si l'assistant était bien formé ndeko nanga. Parce que quand on vous appelle assistant, cela revient à dire vous assistez quelqu'un. Donc il peut ou pas être là, vous devez au moins assumer la tâche, faire le travail tel que le titulaire a droit au salaire ndeko nanga. Avoir un assistant, c'est pas un problème. Avoir un assistant, c'est pas un problème, mais on doit se poser maintenant des questions. Est-ce qu'on a des assistants de qualité, des assistants qui donne la matière comme il fallait, mon frère ami. Au moins, il y a un problème, tu peux jouer assistant, sa course. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour moi, mais ceux qui sont assistants, ils ont maîtrisé la matière. Et moi, j'ai connu des assistants qui ont fait sa course mieux que les professeurs. Il y a des professeurs malades, assistants, à cause de l'assistant, ce n'est pas un défaut. Être enseigné par un assistant, ça fait pas un problème. Le problème, c'est que, est-ce que l'assistant Azana qualité, l'assistant, Azana art, on est transmission, parce que d'abord en pédagogie, il y a ce qu'on appelle l'art de transmission de Konanga. Et on a un assistant, tout le professeur, il y a un assistant, des personnels de qualité on va couper sa cour na niveau et singi pour mboka na biso ekinde ezali eloko biso ba kongole to koloba merci na tata mo konjo ekolo ba biso le lo fachi parce que ezama kambo ezali ko existait avant de ko to ta ki na ba dirigeant ba ezali ko pesa mo kongo na enseignement voire même le lo to ko mona iniki na réapparaître na liste ba meilleures universités d'Afrique ndeko nanga ezali ba effort ezali ba benga ka ba diplomatie ndeko nanga esenga ki ko mema lisusu ko bakisa makambo ezanga ki po iniki na zonga le lo so to ko mona iniki ba ko tanga les 70 meilleures universités ki ya Afrique inikina azana kati ya liste wana donc au travers ngo pourquoi pas apparaître parmi les 5 meilleures universités ya meilleures universités d'Afrique ndikolanga ndenge moko peto ko mema to ko mona déjà vision ya
le DG actuel ya IEC o azali un vrai warrior. S'il faut le belaraba warrior ba to ko benaraba warrior bango les vrais guerriers, pas de problème. Depuis qu'il est là, on a senti vraiment le changement. Merci mon ambo. Parler ici poto lobela mais to remarqué changement au niveau mituna zali ebele mon ambo ga na ozongela bino bon mais la moi maimoke. IEC est un institut supérieur. Oyo, bisoto dali ba panzi sango ba to la télévision to ko sarate. Nous sommes là pour dire la vérité. Vérité ezali nini? Ezali information comme la biso dali awa ici ka oyo sango to yebi ba benga les points sexuellement transmissibles e bandiao. Ta kata IEC sika masolo betama. IEC awa nde sika makambo to yebi ke kanyaka kuna ko tsoro ye donc c'est-à-dire baba na ko benga ngo humanité prolongée. Tu retournes à l'élo, si tu retournes au petit cabinet, je pars directement chez les étudiants après d'avoir rejoint le cabinet. Allez, bah étudiant. De l'IEC Gombe, tout ça on a Gombe. Namoni bah étudiant, moté cabinet, bon qui maté, moté cabinet. Vous êtes les étudiants, bonjour, bonsoir. Donc voilà. Comment vous allez? Est-ce que je peux être ici au milieu, c'est mieux. Voilà. La caméra est devant moi. Il ne faut pas fuir. Hein? Est-ce que vous avez peur de la caméra? Non, même pas. Ah, vous êtes les étudiants, non? Ok, bonjour l'ami. Bonjour. Regardez la caméra. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant? Je suis étudiant. Ici à l'IEC. À l'IEC, oui. Vous faites quelle option? Administration et gestion des ressources humaines. Ah, ok. L'ami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, vous êtes étudiant d'ici à l'IEC? Oui, je suis à l'IEC. Vous faites quelle option? Je fais la science commerciale. Science commerciale. Bonjour. Bonjour. Voilà. Idem avec les amis, vous faites quelle option? Je fais le marketing. Marketing, ok. Voilà. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'ami. Vous allez bien? Très bien. Allez-y, rapidement pour... Oui, j'ai fait la gestion des ressources humaines, étudiant en L1. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis en administration et gestion des ressources humaines. Ah, ok. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Voilà, je suis étudiant TKSA, de la troisième année comptabilité. Merci les amis, on ne pouvait pas seulement prendre les gens qui vous dirigent, comité de gestion, ou prendre les gens qui sont là pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi, sans pour autant prendre l'autre son des cloches des étudiants, parce que ça vous concerne. Nous sommes là pour prendre, donc, c'est-à-dire nous sommes à la recherche de la vérité. Et vous êtes là, je crois, pour éclairer aussi l'opinion. Je vais commencer chez qui? Voilà. Ok. Comment l'ambiance d'abord règne ici à l'IEC Gombe? Voilà. Monsieur le journaliste, oui. Devant vous, vous avez le vice-coordonnateur des étudiants de l'IEC. Ah, d'ailleurs. Dans les syndicats. La voix autorisée d'ailleurs. Okay. Les étudiants de l'IEC, c'est Marco Mutambay. Ok, Marco. Je suis là à votre disposition. Comment l'ambiance règne entre les comités de gestion et vous? Les étudiants, les professeurs et vous les étudiants. Voilà, les étudiants chez nous en tout cas ça va, tout va normalement, les calendriers est respecté jusque là et ça nous sommes vraiment contents de ça. Au niveau du comité de gestion, nous voyons qu'il y a complicité et ils sont vraiment unis, ils marchent dans la même vision qui porte monsieur le directeur général Emile Ngoy et jusqu'à là tout va bien. Tout va bien. On a une question à ce qui concerne les histoires de Home et tout consort. Est-ce que c'est déjà opérationnel ou bien c'est toujours bloqué, fermé comme c'était à l'époque de Kabila? Parce qu'on croyait qu'avec Fatshi quand même, on aura on a besoin de ces bâtiments-là pour servir les étudiants. Et c'est comment? L'inquiétude majeure pour nos étudiants, c'est la démographie. Nous sommes tellement nombreux que nous avons besoin des auditoires. Et donc ces hommes, ces vieux bâtiments, je dirais comme ça, oui. Et comme l'a dit le directeur général, ça va servir à ce que, pour résoudre les problèmes de démographie, il faudrait créer des nouveaux classes, des nouveaux bâtiments, des nouveaux salles. Et donc je crois tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est une bonne manière, c'était là, récemment nous étions avec le DG, et il nous a promis à ce que
nous aurons de nouveaux auditoires. Ça sera transformé ou bien il faut construire encore? Parce qu'on a parlé, il y a un projet là de l'amphithéâtre, il y a un projet, quelque chose comme ça. Vous allez avec nous constater qu'il y a vraiment beaucoup d'espace à l'ISC. Et donc il y aura d'espace qui sera construit et les homes qui sera réhabilité. Mais pour sécuriser les étudiants, mon ami, avec les problèmes de transport, est-ce qu'on ne peut pas trouver un bâtiment là pour servir comme les chambres aux étudiants? Exact, c'est voire même une demande que nous avons déjà eu à faire au comité de gestion, à ce temps, mais c'est le directeur général, Emmanuel, ce que nous pouvons avoir au moins un bâtiment uniquement pour l'hébergement des étudiants. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans ce comité de gestion? 9 mois déjà. Ok, 9 mois du comité de gestion, à la tête, monsieur Emile Ngoï, je cite, il y a eu, de manière générale, il y a eu un mouvement, et de manière spécifique, je dirais le rayonnement scientifique. Ici pour nous, en tant qu'étudiants, ce qui est vraiment important, ce qui est primordial, c'est l'enseignement, et l'enseignement de qualité. Je précise. Et donc, les rayonnements scientifiques, dans le sens où nous sommes étudiants, nous avons besoin d'apprendre pour exceller. Le Congo a un problème de ressources humaines. Pourtant, la première chose de la République, de notre pays, c'est les capitaux humains. Les capitaux humains. Il faudrait qu'ils soient formés. Et donc, monsieur le directeur général, ensemble avec son équipe du comité de gestion, ont essayé d'organiser une série des activités scientifiques qui ont rayonné, je vous dis, notre atmosphère scientifique en tant qu'étudiant. Nous avons eu depuis l'entrée du comité de gestion jusqu'à nos jours, je pourrais citer au moins 10 à 15 activités scientifiques, entre autres les conférences, des débats entre étudiants, des débats scientifiques et autres. Et ça a même impulsé les autres étudiants, et nous en tout cas, nous étions, à devenir encore mieux. Parce que ce qui est important, comme je l'ai cité si haut, c'est l'enseignement. Nous avons eu des forums entre étudiants, ce qui n'était pas avant, et maintenant nous avons tout cela. Merci. Voilà, on est étudiant, vous avez un français, vous avez un français. Donc je suis très 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 content. Voilà, je pars chez mon ami. Est-ce que bibliothèque numérique, c'est déjà opérationnel ici chez vous? C'est en cours encore, et si je peux répondre à la même question que vous avez posée aussi au vice-président. Oui, il faut aller vite parce qu'il a déjà répondu. Ah oui, il a déjà répondu. Si je peux répondre à cela, depuis que le directeur a ajouté quelque chose, depuis que le directeur général Emile Ngoï est à la tête de l'ISC, on a constaté vraiment beaucoup de réalisations. Et pour commencer, il a d'abord une vision de faire de l'ISC une grande école de commerce. Et pour y arriver, il a commencé par le rayonnement des activités scientifiques, comme le vice-cordon venait de souligner, il a expliqué là-dessus. À part ça, il est en train aussi de travailler sur des réhabilitations des auditoires, que ce soit avec les bâtiments administratifs. Okay. Et puis vous allez constater avec moi que... C'est modernisé, on voit aujourd'hui. C'est modernisé. L'actuel bureau qu'il utilise, c'est un bureau que lui-même a réhabilité. Et puis il a mis ça vraiment dans des conditions très confortables pour travailler aussi dans de très bonnes conditions. Et puis si je peux citer encore certaines de ces réalisations, nous avons l'amélioration des conditions des TIDS. Dans l'amélioration des conditions des TIDS, nous suivons les cours dans de très bonnes conditions. Entre autres, il y a une bonne sonorisation, une bonne aération au niveau des auditoires. Je vous invite à visiter nos auditoires et puis vous allez constater tout ce qu'il y a là-bas comme amélioration et comme émergence, les infrastructures académiques. L'électricité déjà, n'en parlons même pas. L'électricité, les toilettes, vous allez trouver que là vraiment je vous dis, et puis vous allez vérifier. Même installation. Même les installations hygiéniques, je vous dis, l'ISC a des installations hygiéniques confortables plus que toutes les. Et puis il a même lancé aussi un programme sur l'assainissement aussi de l'ISC. Vous ne pouvez pas marcher 5 mètres sans que vous rencontrez des poubelles. Il a un programme qu'il a lancé, ISC Bopeto. C'est chaque samedi où DG ensemble Nabisoba avec les étudiants tous au combo la ISC, tous au combo là-bas au auditoire. Tout ça c'est juste pour nous instruire à la
à la propriété. Tout à fait. C'est et comme puis à l'entretien même. Même c'est ce qu'il fallait d'ailleurs faire avec Jatini Ngobila. C'est ça. De commencer d'abord par former l'homme. Former l'homme. Au lieu seulement de lancer Kinshasa pour peut-être au mouton à Yébité, boule bête, y'a que soit poubelle pour aller au renversant. On a d'abord des personnels qui travaillent ici, ça. Oui. Et puis au-delà de ces personnels-là, il a encore. Toujours dans les soucis de rendre de l'ISC et quoi, la CENSPA de l'ISC très propre. Et puis toujours dans les soucis aussi d'instruire l'étudiant de l'ISC à la propriété. Raison pour laquelle il a même lancé ce programme-là de ISC Bopeto. C'est un programme un peu similaire au programme de Salongo. Vous connaissez le programme Salongo. C'est ce que nous avons constaté ici. Et puis je vous dis vraiment, il y a beaucoup de réalisations si vous allez revenir. Maintenant la formation, parlons de la formation. Parlons de la formation. Il y a d'abord, comme je vous ai si je vous ai parlé. Avec l'histoire des assistants-là qu'on reproche dans des universités, dans des instituts supérieurs. Est-ce que chez vous ici, mais je ne sais pas. À l'ISC, nous avons beaucoup de professeurs. Oui. Tous ces assistants-là assistent que les professeurs, si je peux dire ainsi. Les assistants sont là, ils existent, mais ils sont là pour les professeurs. Voilà. Ce ne sont pas que non, il y a un assistant qui parle toute l'année seul, non. Il y a des assistants qui assistent des procès, si je peux dire ainsi. Oh, l'ami là est parti, puis, hein. Oui, allez, si je peux, pour essayer de recadrer un peu ce que je vais vous dire, je vais vous citer sur la bonne condition des titres, où il y a l'amélioration et les infrastructures académiques qui s'améliorent de jour au jour. Il y a la Sensima avec le programme ISC Bopeto, avec des poubelles installées aussi partout. Il y a des réhabilitations qui se passent aussi, que vous êtes en train de constater avec moi. Je peux vraiment vous rassurer que depuis que le DG Emile est là, l'ISC commence à revêtir, revêtir sa nouvelle robe de valeur, nouvelle robe de l'enseignement de qualité. Et puis je pense vraiment que nous allons y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a qui encore, l'ami, tu t'approches. Voilà. Ok, je suis là. Voilà. Bon, maintenant, parlons des points sexuellement transmissibles. Bon, maintenant, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui il y a les changements ou bien nous continuons toujours dans ce système-là? Si la bise, si on continuera dans le système, il faut un enrôlement branché pour passer. Et puis, ou bien pour les femmes, les filles, il faut utiliser le sexe pour avoir les points. Alors, justement, ce que je pourrais dire ici, c'est que. Aujourd'hui, est-ce que voilà. Nous continuons toujours dans cet élan? Aujourd'hui, avec l'arrivée du directeur général, le professeur Emilio Ikasongo, nous avons constaté beaucoup de choses que je ne saurais plus revenir. Les amis venaient de parler de beaucoup de choses. Cette question, c'est très, très, très importante. Tout à fait. Je suis en train d'avancer pour y arriver. Voilà. Donc là, je dirais que depuis l'arrivée du directeur général, on n'a jamais constaté cela. Tous les professeurs donnent des points selon les mérites, c'est-à-dire que selon ce que l'étudiant a mérité. Il n'y a plus question devant des syllabis. Et ici, déjà, je souligne que notre tableau de bord, c'est l'instruction académique. Nous tous, nous avons les civilités boy pour boire au loba on a mal au bas ça y est casting apparemment ici voilà donc ici je ne saurais plus inventer des choses. Nous avons dit nous devons dire des choses que nous sommes en train de vivre ici. Et bien au-delà de ça, comme je vous ai parlé de l'instruction académique là et cité, je pourrais dire le secteur d'activité para académique. Moi ici qui vous parle, j'ai géré la classe de deuxième année. Avant que le vieux soit ici, voilà. Donc je gérais la classe de deuxième, et à cette classe de deuxième, c'est nous qui étions vainqueurs à ces tournois qui étaient organisés ici. Mais ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que j'ai connu pas mal de problèmes avec les étudiants parce que, avec ce qui était organisé avant c'était comment? Avant, c'était, je dirais de manière claire, c'est que il n'y avait pas moi de l'ordre, c'est moi qui était vainqueur de ces tournois. Et on n'avait pas constaté vraiment une organisation par rapport à ça. Et cette année, nous avons vu les amis remporter ces titres. Les DG étaient sur terrain. Il a même remis le médaille de trophée, tout ça aux étudiants. Et je pense que même ici, je pourrais même, si j'aurais le directeur général, de pouvoir nous appeler pour que nos camarades puissent être en quelque sorte satisfaits du fait qu'ils ont souffert. Imaginez, depuis le début du tournoi, ce sont des choses qu'on ne peut jamais ignorer. Ça met en exergue en fait les dons que
à chacun de nous dans des classes. Et cela est beaucoup plus avantageux pour nous étant qu'étudiants. Et nous rappelons ici les souffrances de nos amis. S'ils vont me suivre, je pourrais dire, voilà, ici je suis en train de parler sur ce que nous avons vécu. Et je crois que vous tous étiez mécontents de ces gestes. Et ici je précise que c'était pas moi l'auteur. Merci, voilà. Merci. Voilà. Donc, on va prendre aussi encore d'autres amis, je crois que... Je vous invite à fréquenter notre environnement, tout ce qui voilà. est lié ici avec nos auditoires. En tout cas, vous allez faire des bons témoignages. Tu es venu dans la radio, tu es venu visiter, on va visiter. Et puis, le terrain à Bissot, on est à la même terrain. Déjà, avec des pelouses. Des pelouses, voilà. Vraiment. D'ailleurs, ça, c'est naturel. C'est naturel. Okay. Et puis, il y a des programmes qui sont lancés comme ça régulièrement, des programmes sportifs qui entrent dans les activités para-académiques que nous organisons. Et avec même le système LMD, je vous assure et je vous garantis qu'il y a vraiment... Ça se passe parfaitement. Très bien. Et pour chuter, oui. Dis quelque chose. Le chef de l'État vous regarde. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous avec ces comités de gestion? Bon, nous avons juste besoin de soutien du chef de l'État, de son soutien personnel, que ça soit qu'il puisse soutenir notre comité de gestion. Et puis, je pense avec tout le temps que le DG aura, il va vraiment faire de très bonnes choses. Voilà, entre-temps de réactiver bibliothèque numérique. Numérique, surtout avec ça, parce que le ministre était là pour lancer ces programmes-là. Ok, nous attendons. Je crois qu'avec RTL, il y aura des cartes SIM pour permettre, pour avoir accès dans cette bibliothèque numérique. C'est vraiment un projet qui, je ne pense pas, dès l'année prochaine, ça sera déjà en marche. Merci beaucoup. Merci les étudiants. Voilà. Merci, je crois que c'est ça l'objectif de la télévision. Toyawa, Toyogozoa, Totamboli, Todali Kozoa ba image. Ça c'est la vérité, hein. Et d'alité que Todao l'acceptons ba image virtuelle. Non, c'est la réalité, nous sommes là. Ali et Gombe. On a pris ba corps académique, Tosu ba bilingue Moussousou, au Badal le rôle à miroir et à Fachi, ils sont là pour contrôler les œuvres du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais il ne fallait pas seulement terminer Panabango, il fallait aussi avoir les étudiants Toyoka. Et puis, c'est Awa, comment l'ISC est aujourd'hui organisé. Même installation sanitaire, sur le continent, il y a une installation. Même dans le bâtiment, dans l'auditoire, aujourd'hui, on n'a pas de problème, il y a sonorisation. On a des conditions pour les gens. Il y a des conditions pour les gens. Il y a la sécurité ici, c'est ça l'essentiel. Maintenant, je vais aller continuer notre magazine avec l'équipe. Dans le rôle, il y a Félix Antoine Tshisekedi. On va vous permettre de faire ça la ronde. Et puis, aussi, Lisa. Magazine nous faisons la ronde de l'ISC Gombe. Tous ça on a bandé quoi après avoir causé avec étudiants. Tu as demandé comment Namoni peut n'avoir tout temps là pour palper réalité. Tu as palper réalité mon frère de Konanga. Il tient vous rappeler que tout ça n'a qu'à être ISC Moura. Oh bah d'abord ben ISC Moura endroit où ils allaient qui je sais pas comment dire. Ils allaient qui endroit où il y a salité les lois. Bah imagine son monde en TV et radio. En tout cas moi je pense que ceux qui sont là bateau photo bien à Kabawario et ça bateau à Boy. En tout cas je tiens vraiment à féliciter les DG Emile Ngoika Songo Namambois au sala onde Konanga. ISC les lois na terrain à Boy. ISC les lois comment t'as la pelouse t'as la fleur en tout cas. Ce qui te joue bateau à boire 5, 6, 7, mais sur le niveau enseignement, le lobby te rebête à l'isolo moussou de Konanga et ça les mambo et ça qui rare et ça comme on a coup tout est na Congo la pays n'abîme sur enseignement et à la boye c'est mou à tantôt bien à y est mou à yo yébi au fin na kino yébi tant au loba mou à idée à la kini et à qui endroit mou à des ordres à qui endroit mou propriété cause à la tête mais le auto au fin d'eau au de son total libre installation au condima coup tout au taliba toilette au condimatin de Konanga au taliba bis et à personnel. Il y a même un bis pour le personnel. Il n'y a pas un bis, il y a deux bis pour le personnel. Il y a des bureaux administratifs. En tout cas, ce sont des choses à encourager. Il faut que tu aies un peu de temps.
Pourquoi se sentir à la sécurité. Et ça, il faut toujours être en mêle. Parce qu'avant Félix, il existait. Nous avons la plus pouvoir à Félix. Mais Félix a trouvé maintenant que il faut travailler pour la nation. On a trouvé ici qu'il y a un patriote. Il faut travailler dans l'amour. Il y a un bon canaille. Mais ça, il y a même un administratif. Le personnel, il y a un problème. Il y a un problème. Allez-y, comprends comment est-ce qu'il a fait 9 mois, mais il a payé 10 mois. Donc, il avait trouvé déjà une dette. Il y a moi, il y a un moyen, il y a tant besoin de techniciens au commun d'avoir résultat. Oh, le lot commun a eu ce n'est qu'on a eu ça fier. Le ministre Moïse Nonsangui n'avait pas tapé à côté pour les choix. Il y a professeur Emile Ngoïka. Lorsqu'on parle de l'Emile Ngoïka Songo, Azali en Kouya, Kouya, tu as besoin de bien à rien Kouya, Kouya, tu es Emile Kassongo, Azali Moto, Azali, bah, est vrai, belle, n'a pas le ministre est ici, hein. Azali qui n'a au Géfram, on n'est pas là juste pour parler de lui, on est là juste pour remarquer ma réalisation na yo akosala ndeko nanga asali mosala malala bato bado sunga vision bado accompagner vision ya mokoti bato ya kobenga ba warrior s'il faut appeler des warriors ils abattent toi boende konanga kobenga ba warrior ba bato bato ba accompagner Félix Antoine Tshisekedi to boy de lingi ba hypocrite te bato ba ko boma vision Félix na télé ba ko leka ba ko lobake ba ko sunga Félix mais lui il ne se fait pas voir azali na est tellement dans le noir mais il travaille pas trop dans la télé ba interview non ah bon on a même pas mon on a même pas mais musala na yeko mon yango de konanga to ko tambola na bino ba université mususu oya mabe to ko dénoncer yango oya malamu to ko betela yango ah c'est ça votre objectif donc université nyonso pour la relaxer mon konzambo parce que balobi jeunesse de badali à venir il y a écolo c'est à dire il faut toyer ma jeunesse en place au badali ko tanga na condition nini boni est-ce que badali ko préparer ba tie bango banani badali ko enseignement dali à qualité pour que tout préparer une génération future donc objectif d'ami de dali wana tout ça on doit enseignement et qualité de kolanga ba université nyonso donc déjà la cotation déjà sur 10 a wana ISE Moi je pense pour le moment, il peut être le meilleur DG par rapport aux informations et puis les images au Bissot déjà à notre possession, il peut être le meilleur DG pour le moment. Voilà. Comme selon Martin Balela, le professeur Emile Ngoïka Songo, le DG de l'ISC, est le meilleur dans ma institut supérieur. Supérieur ou est-ce que tu d'aller en ISP Gombe? Et na ISP Gombe, voilà, moi l'absis, na ISP Gombe. Moi, je suis Cédric, je suis motopé à Mibeko. Je suis allé sur le bilan, je suis allé au classement, je suis institut supérieur. Je suis allé moi bele bele oyo to me ko tambola place de toi, kocha ISP Gombe. Bon, vous savez, moi, je suis Yves, je suis d'abord à Ibisayo, et ça, un auteur à l'Oba.
L'ordre et la propriété, ce sont les deux éléments de la civilisation. Donc, motofaz à la propre, motofaz à la ordonnée. Parce que au moni, yomoko tali propriété au moni a. Donc, c'est la preuve civilisant qu'il y a aussi l'autre. Parce que si ces deux éléments n'est qu'au faire défaut, ce n'est même pas parler à émergence. En vrai, émergence, yango le zali kolak ça n'a pas signé na yango, ba indicateur na yango. Au lobito kende en termes ya cotation. Tobi ba evre o to moni a walelo au moins en boka professeur Emin Ngoyi Kasongo a réalisé dans les 9 mois. Moi, je peux dire que sur 10, si j'étais enseignant, on a coupé même kokolé 6 sur 10. Parce que il a encore le temps à cause la lumière. Neko a parlé vision un chef de l'État tout monde y était na balaki sibiso le gouvernement des warriors. Ba warrior en photo matérialisé en on a vision un chef de l'État. Parce que chef de l'État Tolobi était chef de l'État aujourd'hui dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il est le seul qui n'a pas eu pouvoir. Il est le seul qui n'a pas eu le magistrat suprême. Lelo ba to finga ka biso ming ba kino, le kino vous gérez mal. Biso lelo ba sentiné chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to bité biso ba kino ba kuyakuya té to kotika ndeko na biso grand frère na biso a échoué té. Il faut donc maintenant après pour ezali palpable. Moto oyo azali ko étouffer pouvoir na été ko écarter. To ba ki été to kotambola partout. Lisu likola lisu to kosuka sa communication sur na ba chaise ba kete na ba bureau té. To kosuka sa communication na biso ka ba tando ikete na kata ba bureau non. To bi été il faut donc quitter to palper ba réalité. Moto azali ko sa malan photo betela maboko. Oya mabé il faut dénoncer chef de l'État qui a sala mabé. Parce que tout le monde a tout le monde ont toujours tendance à dire que non Félix Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi il n'a rien réalisé bah est vrai yango tozo ko mona parce que on peut pas développer un pays soki bo dissocier yango na enseignement supérieur ou soit enseignement de base. Vrai développement c'est d'abord investir en l'homme. C'est ce que le chef d'État est tenté de faire au travers les mines et travers les DG Emin Ngoyi Kasongo. Moi je pense que en tout cas moi namboka ministre d'État Muyindo Nzange choix na eux qui choix encore excellent. Les lots ali ko vivre la réalité na yango. Tozali ko vivre ba résident na yango. Biso loko la ba défenseur ya chef d'État, loko la ba liso na e. Tozali pe ko tambola to suki a atende ko Yves. To ko tambola partout. Voilà. To ko mona nani azo sala malamu, nani azo sala malamu te to ko écarter bango. Et puis to bi te to ko bengana bango ka na télévision. To ko bengana bango sika musu. Oui, c'est un endroit pour dénoncer hein, qui va nous servir pour dénoncer. Bazali ko desservir chef de l'État, to ko bengana bango na télévision. Ba onyo so bazali ko sala pona malamu ya chef de l'État. To ko tchela bango maboko to ko ba vérité. Biso zali en va sentinelle, to zali wana pona ko surveiller. O ezali ya malamu to lobi, o ya mabeto dénoncer yango. Netsa to moni biloka malamu ba réalisation ya boye. Ba terrain ba auditoire, ba construction ba auditoire moderne. To zali ko mona lo ba terrain ya basket, ba terrain ya football. C'est quand même pour aider les étudiants de bien s'amuser. To zo mona c'est ma biso comment les étudiants ba ya ko zo ba photo. O to mona kana mikili ya photo. Lelo to zali ko vivre ba modernisation na awa. Vraie modernisation de yango yo. Tango to zali ko benga na boso to musika na biso. Tango to zali ko mettre vetine ba condition moko ezali malam adéquate. C'est quand même des histoires à applaudir. O to viva ki yango te pas même pas même ba professeur hein. Tango ba tchaba ronda ba condition malam. Mais to ka ezali pour leur permettre bango ba tambola. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bien voilà, merci très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Il y a Ronde Nabiso magazine Tolobela Congo. Hey, naba université, naba institut supérieur. Netoyaki, nous sommes à la fin. Mon amboka maître Cédric. Voilà, nini toroi ko retenir au sa la conclusion par rapport il y a passage Nabiso Awa na IES Gombe. En tout cas, mon amboka Yves, ozali journaliste d'investigation, ce qui est à retenir, tozali na vrai, tozan a besoin ba vrai vecteur au balin ko aider chef de l'État pour que atteindre résident na. Parce que mon bilan chef de l'État, il bon bilan résultat. Donc il faut tout mémoire d'avoir bonnes actions pour que l'obi na 2023 tous on a libosso à Congoman, tous ils savent obligé de réaliser dans les 5 ans. Je pas ça qui vise au pouvoir. Des bonnes réalisations ça au total comme on a. Parce que na ebiso faut pas dissocier le développement et les enseignements. Le lopo na kotombo la mboka, il faut d'abord qu'on investisse dans l'homme. Qu'on investisse dans l'homme, faut mettre les étudiants soit comme compétitif. Il y a une vocation, il y a IEC, il y a qui local à échec à Bruxelles, il y a qui local à la grande école à Paris. Les autres qui sont dans l'Afrique centrale et revêtent l'image, ils ont une identité dans la Kala. Et ils ont une identité à IEC Moura, mais ils ont une grande école de l'Afrique centrale. Il y a un autre qui est là, qui est là, qui est réalisation, qui est là, qui professeur Emin Ngoyi, qui est là, réalisé est là, qui niveau à IEC. Qui est là, chef de l'État, c'est quelqu'un à encourager. C'est quelqu'un au faux gouvernement et qui est là. C'est quelqu'un au faut qu'on fait ça ait vraiment confiance et puis lui de son côté il ne doit pas se limiter à l'action haut. Il faut toujours à continuer à matérialiser vision à chef de l'État. Merci en beaucoup. Tout cas on est très d'accord. Merci mon amboka yotika biso voilà mon amboka maman pour ça là on souhaite pas na yo mon amboka Martin Balila
tokomi vraiment na suka mais mango déjà bana ko ta na yé se banda kala pourquoi makambo to tikala ko mona ngote to moda ngoka sous la gestion ya professeur Amingo Ikasu. Il y a plusieurs raisons de konangai, vous savez, lorsque il y a pas un technicien na milier, bah résultat ça la ka toujours ya mabé. Aujourd'hui l'ISC est fier d'avoir Emile, professeur Emile Ngoika Kasongo comme DG, yango moni ba résultat. Objectif ezali nini? Mbongwe ou ni solo a défi na crédit ou bien kaka organisation et puis savoir faire de konanga ko ko zala wana. Lorsque tu as un désordonné nyoso ko sale ko zala toujours en désordre de konanga. Emile Ngoika songazali moto to ko bete la gestion na ye to loté azali moto yo Congolais n'y soyez bi oya réalisé. Le autre kokuta awa, moi je suis après kokuta comme DG ya ISC Gombe tant ba bisinga ke yende mutazali DG awa, c'est pas singa makase ndeko nangai. Objectif principal les ali nini to reconduire tata mo conduire école Fachi Beton na mandat mon sous to reconduire ye na je suis mboka na biso école na biso Congo. Kasi po to reconduire ye to reconduire ye na ba volonté na biso mais to reconduire ye par rapport à makambo ye ko sala. Misala les œuvres. Voilà. Kondi mama ba Congolais ba kondi mana par rapport à misala. Ce que tant que biso tozali ba les défenseurs et les surveillants ya chef de l'État et pouvoir chef de l'État yango moins to ko sioner ko tambola ko mona o ya bien to mettre ngo na place publique ba mona ngo ya mabe to mettre ngo na place publique et mona na comme ça permettre biso na ba congolais ba juger si réellement Félix Antoine merci Marthe Balina a ko mérité ko qu'on la reconduit. Mais pour finir, on a dit qu'on a awa. Laisse-moi vous dire que non. Motonyo, son main noire, nyonso et qu'on a derrière le professeur Emile Ngoika Songo, le DG de l'ISC, toko dénoncé et puis toko tanga combo na yo. Parce que ozali moyini, non seulement à l'ISC, mais ozali moyini à Congo, ozali moyini à enseignement. O biso to vivre le lo, moto a ko mérité à zanesi, ko azala à l'aise, à travailler à l'aise. Merci mon amboka Natondi Obotondi. Merci mon amboka vraiment. Voilà, nous sommes à la fin, très chers téléspectateurs. Na rosuk sana mama. Mama, approchez vers moi. Voilà. Na rosuk c'est pas ya mama. To solo liya wana tamboli na suba étudiant, na suba ndeko awa boyoki to tamboli. Même notre caméra nous a aidé. Ya kokota partout pour mon ba réalisation. Oh ezali, même si nous ezali virtualité. Et la réalité, oh, tu dois palper ton monde à la mission. Ma camo balobi na bisoa, tu as dit que il fallait aller voir encore les étudiants. Tu interviewé bango, tu yoka bango. Ba étudiant ba commenter positivement pour la gestion ya nouveau comité de gestion. Oh, ba dali ko diriger ISC Gombe. Maman to komi na suka, na tanga ki quelque part, hein, na dévoiler té. Par rapport ya ba vision oyo. Professeur Mingo Ikasu Mwadana Yango, à part Kofuta Bahire, à part Makamwe Bele Bele Wasali, Nayoki a doté centaines de machines. Na ebite sur les projets, ouais, au salon, on a sali déjà. Nayoki le Soussou a d'abord compté pour ton nouveau auditoire. Merci beaucoup, Ndeko journaliste, pour la question. On lobby bien que autant qu'il va vision au Ezali pour na chef oui, quelque biso, part quelque part quelque part yango voilà. Ba ibisi obongo pe yoki yango otuninga motu na pona Ezali moko o Ezali collaboratrice ya DG Emile Ngoika Songo. Alors pona ma ko répondre à la question na pona ko ibisa ote vision ya chef nanga ezaka ka vision moko. Vision na Ezali d'abord ko sala ISC une grande école de commerce, c'est ça la vision du chef. Avec le comité de gestion, Azali ko diriger, c'est de faire de l'IS une grande école de commerce. Et donc, na vision wana yango ndepo na ko vision ko kisama, Ezali na ba objectif, Ezali na ba vision, Ezali ko accompagner leur objectif, na ba valeur, oye ko sala teke vision wana Ezali réaliser. Voilà. Alors, vision na tangi bongo na lobe Ezali, autre ko sala IS une grande école de commerce. Alors, na kote na yango Ezali na mission, tobi bien mission à université. Dans combien d'années, il faut toi ba pédeler, hein? Mission Ezali que enseignement de qualité, recherche de qualité et puis service à la communauté, à la société. Alors, toza la katia na ebi saki bino tona loba ki liboso ete, parmi les 5 piliers de développement ya mboka, to mona ki bien bati yango partout na ba pancarte bati za vision chef de l'État, à loba ki liboso administration. En tant qu'économiste, ngana moni yango administration na dedu yango na lobita administration eza lokola management. Parce que la management to ebi ko définir en haute la France, ezali gestion, ezali administration to ebi te ezali nini. Mais na katina yango to lobika kanga la kosengela ba lobo lobo l'administration ba management. Management wana to zomona nyonso na kati gestion ya nyonso to eza na kati wana. Alors vision ne ko se réaliser ben fort nyonso sala mi ensemble yango ne ko sala réalisation. Pour être un entrepreneur, être un manager, c'est l'effort
il faut savoir que c'est l'effort de tout le monde dès que ça est cause à la mutuana. Alors vision au tanguinga parmi bas éléments aux bas valeurs aux cause à la keto bas objectifs à quoi atteindre pour atteindre vision naie ils allient bon monde au tanguinga le but que yoka qui sont bas dotés sont ils a le contacté ils allient vérité bas machine ils allient dotés parce que quand ce cas voilà t'es pas sur une option informatique ils a coco bas monsieur quoi quoi y a pe belé quoi y a donc ils a ébandeli on a habité on a donné les sous qui t'es ébandeli pas belé pe ils allient quoi y a na cima dernier message maman. Et puis pour ça là-bas, pour notre bâtiment, donc au lobby, bas on réfectionnait 24 du toit, on copie sa capacité d'acquérir parce qu'ils ont parmi bas objectifs, ils ont que, ils ont il faut que ça là, pour notre faire face à de forte démographie, pression démographique, tous les yango et sidiancine, yango et singela qui cause l'auditoire, pour la cotonga fitéâtre à mouné, n'est pas bâtiment à niveau et belé à mouné, n'est singé cotonga à bokomo, n'a pas mis les alliés qu'on sous gestion naïe, mais dans un premier temps, ça la réhabilitation, bâtiment, les alliés qui repèsent sur 24 auditoires, eux quoi abriter, bah étudiant à bisou, c'est un LMD singé libas à la wana, donc les alliés, minga colobé, les alliés, n'est pas les alliés mouké, les alliés mouké, voilà un peu. Donc, merci, un message, n'a mon conseil. Mboka na premier ministre na batonné surtout ba Rolanda na autorité na le petit d'abord merci na président de la république na PCM mbote sika azali parce que yende aloba ki na champ de bataille na ye a bengi a sali a lobby état de droit qui dit état de droit ça veut dire qu'il y a des personnels de qualité. Personnel de qualité qui sont mieux payés. Alors, IEC, ils allaient parmi eux, ils allaient institutions, ils allaient comme cadre, ils allaient comme ça pour l'état des droits salam. Parce que comme à l'objet, il y a un pilier, il y a développement, administration, administration, communication, administration publique. Et c'est quelque chose dans le cadre, ils sont bien formés pour payer ça, ils allaient à Malamou pour avoir un développement en Boké qui est malade. Pour la première ministre, le col à Bango va choisir ça qui, dans le cas où Bango, on a confessé, va payer ça qui, même le président de la République, ministre des titels, va payer ça qui confesse à moi, Mboké. Que mille ngoi pour na kukamba IEC na monique choane za la ki ma bété voilà. Parce que un chef comme on dit le chef c'est quelqu'un qui a la compétence qui a l'honnêteté qui a le sens de l'écoute et puis qui est ferme et na quatre qualités na tangi yango na bandi tende ko mille ngoi a réuni ba qualité nyoso wana to komona IEC ko réuno et puis voilà. Ko ça toujours comme voilà. Bosengil na merci atikalaka na vision na merci to tenir ko ton ko ikokende très cher téléspectateurs aide de la république. Tolobaki toya awa pour faire la ronde de cet institut toye ba nini makambo dali ko tambola ndenge nini gestion dali ko tambola ndenge nini collaboration dali ndenge nini je crois que la vérité ezali awa à travers ce magazine tolobela Congo boyoki ba étudiant boyoki ba corps académique boyoki ya fachi bandeko ba yakewa toujours à la recherche de la vérité. Bonne suite de programme sur Fast TV Télévision.